At that point, General McAuliffe said, "What should I tell them?" And being a young, brash fellow, I said, "I think what you said when we told you about the message would be hard to beat." He said, "General McAuliffe said, what do you mean?" I said, "You said nuts." Well, everybody seemed to agree that was a good thing to say. So he took a piece of paper and wrote to the German commander, "Nuts, A.C. McAuliffe." Noël 44. Le général McAuliffe, commandant la place de Bastogne, lance un mot qui fait le tour du monde. Un mot symbole de la résistance américaine dans l'Ardenne enneigée. Un mot qui fait qu'aujourd'hui encore, Bastogne est la ville de Belgique la plus connue aux États-Unis. Mais revenons au cours des événements. Le 16 décembre, les panzers allemands ont percé le front américain. Le 18 décembre, les Allemands se trouvent devant Bastogne. Mais les panzers de Van Manteuffel ne vont pas prendre la ville. Ils contournent Bastogne par le nord et se dirigent vers leur objectif, la Meuse. Cependant, Van Manteuffel doit prendre Bastogne. C'est un nœud de communication vital et il faut qu'il achemine par là tout le ravitaillement de ses panzers. L'essence, les troupes, le ravitaillement. En même temps, les Américains ont pris conscience du drame. À Versailles, Eisenhower décide d'envoyer en Ardennes tout ce qu'il a comme réserve. Oh, ce n'est pas grand-chose. Le Combat Command B de la 10e division blindée qui est dans la Sarre et ses deux divisions aéroportées, la 82e et la 101e division airborne qui sont au repos à Reims. Eisenhower décide en même temps de faire faire mouvement à quelques 800 000 hommes sur l'ensemble du front pour compenser les effets de l'attaque allemande. Dans la nuit du 17 au 18 décembre, les tanks et les camions américains foncent à tombeau ouvert pour rallier Bastogne avant les Allemands. Op 18 december om 4 uur 's middags reden de eerste tanks van de 10e tankdivisie Bastogne binnen. Om 22:30 s'avonds kwamen de eerste parachutisten van de 101e luchtlandingsdivisie. Ze waren op hun bestemming. Het was meer dan tijd, want de eerste tanks van de 2e Duitse panzerdivisie kwamen vanuit het noorden tot bij Noville, 3 kilometer van Bastogne. Major de Sobry bracht in allerijl zijn tanks in stelling en ook de parachutisten en verder alle mannen die hij kon vinden. A steady stream of Americans had been coming through. Some 9th Armored guys, one platoon of the 9th Armored intact that joined me in half tracks came in. Others were odds and sods. I had permission to pick up any of them I wanted to. I didn't want the stragglers, they were in a state of shock and so forth. I had one for your engineer, I had one engineer lieutenant come in, told him he had to stay, he refused. I brought him into the CP, sat down with him, told him he had to stay with his 4 or 5 men. Said no, he had to join his company. I said, "You're going to stay." He says, "No, I'm going." I took my pistol out and put it in his forehead and said, "You're staying." He agreed. They came around up here and hit my roadblock. My roadblock, when they challenged them, the Germans opened up fire and knocked out 2 tanks. Scratched 2 tanks. So the remnants came back in. At that point in time, I ordered the withdrawal of the other roadblock in the town. So now I'm buttoned up. Een vloed van Duitse keursoldaten stortte zich op de Amerikaanse verdediging die maar in der haast opgesteld was. Het werd een verschrikkelijke slag. The mission of the 2nd Panzer Division was to take Noville, secure the roads and go on to the Meuse. We delayed the paratroopers and the tanks from the 10th Armored. Delayed that movement 48 hours.
The Germans were behind schedule. De Amerikaanse parachutisten hielden vol, maar 11 van de 15 Amerikaanse tanks werden vernietigd en de Duitsers zagen kans er voorbij te komen. We were ordered to withdraw because we had taken so many casualties and because the 26th Volksgrenadier had cut off our rear area at Foy. And so we were about to be surrounded ourselves by a superior force. And to keep that from happening, General McAuliffe ordered us to fight our way back to Bastogne. Then these troops, the paratroopers, rejoined their regiment, and the tank troops rejoined the 10th Army and became the reserve for the defense of Bastogne. You had many casualties and the paratroopers here in Noyelles? Yes, very many. I would say the paratroopers lost around 300 men, bravest men you ever saw. And we probably lost 200. De Amerikanen verlieten Noville. Ze trokken zich terug op Bastogne, net als de eenheden die de dorpen Lardin, Neuf en Longvilly verdedigden. Maar de Amerikaanse linies werden in een veel kleiner gebied opnieuw geformeerd. In Noville zat de familie Lugène in een kelder toen de Duitsers arriveerden. Gelukkig was het een goede kelder. Direct bij hun aankomst pakten de Duitsers alle mannen op die ze konden vinden. Meneer Lugène was één van hen. Mon mari était sur le seuil de la porte avec un de prix de Noville. De prix m'a fait signe que pour lui c'était fini. Mon mari a eu l'air de dire qu'il allait être sauvé, quoi. Mais moi j'ai pas osé m'avancer par le fait même que nous avons flagué chaque fois la cave. Et puis alors, on a vu les besoins partir avec les bras levés. Et il y avait un autocar ici devant la maison. Et on a cru qu'ils étaient embarqués. Mais à ce moment-là, ils n'étaient pas embarqués parce que les Allemands les questionnaient encore, les questionnaient d'autres. Et alors, on les a cru partis, quoi. On a appris par après qu'ils n'étaient pas en fait montés dans l'autocar, hein, et que les Allemands les avaient conduits derrière le café, un café plus loin, et que M. le curé a été fusillé à bout portant, et puis les autres en rafale. Tout le monde hurlait, oui, alors on dit, ne criez pas si fort si vous ne voulez pas me faire du tort. Alors. Il a dit, ne pleurez pas, je vais revenir. Ça, il l'a dit, hein, ça, je me rappelle, c'est sa dernière parole d'ailleurs. Hein. Il a dit, ne pleurez pas, je vais revenir. Et on a toujours cru qu'il allait revenir. Hein. Mm-hmm. Mais il n'est jamais revenu. Het dorp werd hevig onder vuur genomen en kwam tijdens de gevechten verschillende keren in andere handen. Voor de inwoners was het een ware hel. Je me rappelle fort bien avoir cru rêver hein, d'être dans un décor pareil. Il y avait une meule de foin, des bêtes couchées, tuées ou... Hein, alors, tout brûlait. Tout brûlait. Tout brûlait. Tout se pulvérisait au-dessus de nous. Tout était détruit au-dessus de nous. Moi, je comprends pas qu'on vive encore. Rien. J'avais une bonne cave, heureusement. Mais oui, qui était boutée. Tout pulvérisé. Tout. Et tout le temps, tout qui tombait. Je comprends pas. Et puis après, n'est-ce pas, ma soeur est parvenue à avoir un pain dans la maison à côté où elle allait chercher de l'eau. Et puis cette fois-là, ils ont dit un beau jour, quelques jours après, si vous voulez apporter de la farine, on vous cuira du pain. Et le jour où on nous a mis à la cave, hors de la cave. Ce jour-là, le voisin qui vit toujours ici, ils ont apporté avec sa femme 9 pains. Moi, je me rappelle pas 9 pains, et alors les enfants sont dressés tout autour pour que les Allemands ne prennent pas, quoi. On avait faim, c'est vrai, ça, on avait vraiment... Moi, je me rappelle qu'on avait un garde-manger, et dans ce garde-manger, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas grand-chose, mais il y avait ce tas de pommes de terre, vous savez... Des tas de pommes de terre qui venaient du soupirail, sans doute qu'on les déchargeait comme ça, et puis le tas de pommes de terre. Mais on n'avait pas d'eau pour les cuire, on n'avait rien au début.
Mais je m'interroge quand même pour savoir hein, comment on a vécu pendant 15 jours. Moi, je sais pas. On n'avait qu'un souci, c'est échapper aux obus, échapper aux bombes, échapper aux Allemands, échapper même aux Américains. Vous savez, ils n'étaient pas très tendres. Hein, parce qu'ils se croyaient, je ne sais pas, d'abord ils étaient perdus aussi, eux. Hein, c'est des, pas trop ce qui leur arrivait non plus. Op 21 december waren alle wegen naar Bastogne afgesneden. De 18.000 Amerikanen waren omsingeld door 45.000 Duitsers. De hemel was bedekt. Het was daardoor onmogelijk de belegerde stad te bevoorraden. De Duitse en Amerikaanse soldaten groeven zich tegenover elkaar in, soms maar op een paar meter van elkaar af. Le corps de la Louisiane et le corps des Cajuns, ils parlent en français, on le voit, surtout en campagne. Dans les grandes villes, ça a changé, il y a un tas de monde qui a déménagé. Alentour d'ici, bien sûr, plus que 50% qui parlent le français. Frank Ménard uit Lafayette in Louisiana. In december 1944 was hij in Bastogne. C'est très froid pour un Cajun de la Louisiane qui a vu la neige peut-être deux ou trois fois de sa vie. Oh, c'était très froid, on avait les vêtements d'armée suffisaient pas, ça fait on mettait deux ou trois ou quatre ou essayer de grouiller, tes pieds venaient assez glacés. Il y en a plusieurs qui ont perdu les pieds. Je me souviens. Une fois que tu pouvais aller au repos à la cave, quand tu n'étais pas trop sévère, tu pouvais te réchauffer. Mais là, quand les Allemands étaient après forcer la ligne, je m'avais fouillé un petit trou, peut-être creux comme ça, pour me protéger. Près de la mitrailleuse. Près de la mitrailleuse. Parce que les Allemands étaient tout près, on était peut-être à 4 sur la mitrailleuse plutôt que 2. Normalement, il y en a 2. On était à 4, on allait être tout près. Et je me réveillais le matin, il y avait peut-être 3 pieds de neige, haut comme ça. Et j'ai regardé, il y avait un petit trou où mon soufflet fait un petit trou, puis fond de la neige. Et j'ai pas étouffé, pas rien. Vous étiez enterré dans la neige. Enterré dans la neige. Mais j'étais assez fatigué, assez endormi, j'ai dormi. J'avais pas eu de dormir peut-être pour une journée ou deux ou trois peut-être. Les nuages étaient tout près de la terre et ça neigeait. Et si ça n'aurait pas été de ça, les Allemands n'auraient jamais encerclé Bastogne. De verdedigers van Bastogne maakten zich op om kerstfeest te vieren. De vooruitzichten waren somber. De munitie raakte op. De Duitsers bestookten de stad onophoudelijk. Maar op het hoofdkwartier van generaal McAuliffe was de stemming goed. That is probably hard to understand, but I think you must realize that we were an airborne division and we had been trained from the beginning to go behind the enemy lines and we expected to be encircled. In Normandy, we jumped into Normandy. We had jumped into Holland before we came to Bastogne. And I think we were mentally conditioned to the idea of being surrounded by the Germans. I'm not saying that we weren't concerned. I'm not saying that it wasn't a hard fight. But I don't think it ever occurred to any of us that we wouldn't somehow win the battle. Op 22 december, tegen de middag, kwamen de eerste Duitse onderhandelaars naar de voorste linies van de Amerikanen om de overgave van Bastogne te eisen. Kolonel Harper ontving hen. Hij ging onmiddellijk naar het hoofdkwartier van McAuliffe om de boodschap over te brengen. De
and he came in to the headquarters, and he brought it to me and to our intelligence officer, and we discussed the message and decided we should take it to the chief of staff and then to General McAuliffe. So we did that. And when we took it to General McAuliffe, his first impression was apparently that the Germans wanted to surrender to us, and we explained, not so. They want us to surrender to them. And he said, oh, nuts, which is an American slang meaning they must be crazy. And so then there was a discussion among all of us about whether the message should receive a reply, and we said, yes, it should receive a reply. Should it be in writing? Well, yes, it should probably be in writing. At that point, General McAuliffe said, what should I tell them? And being a young, brash fellow, I said, I think what you said when we told you about the message would be hard to beat. He said, General McAuliffe said, what do you mean? I said, you said nuts. Well, everybody seemed to agree that was a good thing to say. So he took a piece of paper and wrote to the German commander, nuts, A.C. McAuliffe, gave it to Colonel Harper, who went back to where the Germans were. The Germans said, Neuss, was ist das? Affirmative or negative? And Colonel Harper said, it's decidedly negative, and it means go to hell. And he said, if you keep trying to break into this town, we'll kill every blankety-blank German that tries to enter. And the Germans said, we will kill many Americans too, that is war. And they took the message and went off. Het omsingelde Bastogne, afgesneden van de Amerikaanse eenheden, hield stand. McAuliffe weigerde de stad over te geven. Niemand was zich ervan bewust dat het woord dat in haast neergekrabbeld was, over de hele wereld gehoord zou worden. Maar er was niet alleen Bastogne. Ook Oufalize zou een treurige tijd tegemoet gaan. Depuis le 20 décembre, Oufalize, située au fond de la vallée de l'Ourthe, est occupée par les Allemands. Par sa situation géographique, cette ville est un lieu de passage obligé. C'est pourquoi, entre le 26 décembre et le 6 janvier, Oufalize va subir par trois fois d'importants bombardements alliés. De Ourthe, 40 jaar na de strijd. In de oevers tref je nog vele bomkraters aan. Tijdens de bombardementen vluchten de inwoners de stad uit om in naburige dorpen of in de bossen bescherming te zoeken. De familie Dislair installeerde zich zo goed en kwaad als het ging in een dode zijarm van de Ourthe. Quand nous sommes partis, il gelait, le sol était encore sec. Et nous étions une 29 exactement. Et les hommes, en arrivant sur place, ils avaient choisi un emplacement au pied d'une colline. Il y avait un biais qui avait été creusé. Et sur ce biais, ils ont tendu des perches. Sur ces perches, ils ont mis des branches de sapin. Certains avaient des bâches, ils les ont étendues là-dessus. Puis ils ont remis des branches de sapin, et par la suite il a neigé, il est venu 30 cm de neige là-dessus, ce qui est bien que nous étions très bien isolés là-dedans. Hein. Et nous étions couchés en quinconce, les hommes avaient été chercher dans des meules avoisinantes, ils avaient cherché du foin, et nous étions couchés en quinconce, bien serrés l'un contre l'autre, et nous n'avions pas tellement froid. Et pour manger? Pour manger, ma maman avait pris, nous avions un gros sac de pommes de terre, nous avions mis pêle-mêle des pains, qu'elle l'avait fait avant la Noël, mais des pains qui avaient été mal levés parce qu'il faisait froid et la pâte avait mal levé, il était mal cuit. Et je me souviens, nous avions un sac et là-dedans il y avait du sucre, il y avait du pain mélangé, des mie de pain et des croûtes, et nous mangions cela. Jusqu'au jour où un courageux de notre bande est allé dans une ferme voisine et il est revenu avec une cuisse arrière de vache que nous avons pendue à un arbre. Comme il gelait, là la cuisse était bien gelée. Et nous avions une serpette et nous coupions cela. Et vous la mangez crue? Nous la mangions crue et parfois cuite. Quand le ciel était dégagé, nous n'osions pas faire du feu parce que nous avions peur des avions. Et mais quand le ciel était couvert, nous pouvions faire un petit peu de feu et nous dégelions cela et nous la cuisions un petit peu. Nous sommes restés donc là 17 jours et nous avions avec nous un bébé d'un an et l'aîné d'entre nous avait une soixantaine d'années.
Anderen bleven in Oevalize in de kelders. Ze dachten daar veiliger te zijn. C'était l'artillerie d'abord, puis alors les bombardements. À partir de Noël, ça devenait régulier, je dirais bien deux fois par jour. Et la nuit, on a d'abord cherché un abri assez, pour être en sécurité. On a trouvé l'abri de chez Monsieur Raveau, qui était un genre de cave voûtée, des anciennes caves de dans le temps. Mais seulement la porte était quand même à rue et il y rentrait assez bien de militaires allemands. Qui était très arrogant et qui aurait tiré les civils hors de la cave plutôt que de les y laisser. On ne se sentait pas tellement en très bonne confiance. On a quitté cet abri, on est allé chez M. Mathurin, route du pont. Et là, on a été bombardé avec des bombes au phosphore. Et alors, bien sûr, tout était en feu, on en est sorti et on s'est réfugié à l'hospice. Où il y avait vraiment des abris très fortifiés, hein. C'était des anciennes voûtes de châteaux forts. On était très très à l'abri, mais toujours en contigu avec les Allemands, qui étaient quand même assez grincheux, parce qu'ils se rendaient compte de la situation, qu'ils s'agrégeaient. Et alors là, on a été bombardés par des avions, moi je ne sais pas comment on les appelle, mais c'est à deux queues, là, les avions, en piqué sur la maison, alors directement. Et alors là, on était en flammes. Vraiment en flammes. L'incendie se répandait partout, ça coulait comme des larves. Et on a sorti les pauvres vieilles personnes sur le dos de toutes les personnes qui étaient valides. C'était vraiment pénible. Et puis alors on s'est réfugié, ça doit être aux alentours du premier peut-être, puisqu'on est resté 5-6 jours peut-être dans cet abri de la tannerie Poncin. On disait le maire, je pensais Poncin. Et tous les personnes libres, enfin disponibles, bien portant de l'hospice, se sont rendues là avec la supérieure et les religieuses qui étaient encore avec. Et puis alors beaucoup de civils, beaucoup d'isolés, beaucoup de petits ménages. On était certainement bien 250 parce que l'abri faisait une forme de U. Et on a subi tous les bombardements sans problème. Mais le 6 janvier, alors bien sûr, c'était le tout gros jour. Pas grand chose. C'était un bombardement plus violent que les autres jours. Oh, extrêmement violent, oui. Ils ont voulu l'anéantissement complet de la ville. C'était certainement cela. Et... On croit toujours qu'on va passer outre des coups, mais cette fois-là, c'était certainement l'abri. Oui, hein. Mais l'abri a été nettement touché, et la bombe en tombant dans un fond de l'abri a projeté un monticule de terre qui a enseveli presque toute la totalité des personnes qui étaient donc alignées les uns à côté des autres. Et c'était mon cas. Moi, je me suis trouvée nettement ensevelie, et je me sentais très bien que la vie s'en allait. On est très bien, on ne souffre pas, on se sent nettement bien partir. On voit bien qu'on va mourir, on manque d'air, mais on n'en souffre pas. Il y a eu d'autres déflagrations qui ont déplacé cet air, ce qui fait qu'on est arrivé en surface et on s'est retrouvé à l'air libre, hein. Mais bien sûr pas tout le monde, puisqu'il n'y en avait plus que quelques-uns. Hein. Combien il y a eu de personnes tuées dans cet abri? Je ne sais pas exactement le nombre de personnes qu'on tenait l'abri, mais je sais qu'il restait 7 personnes valides sur... Je me demande si c'est pas dans les 200, je suis dans l'idée dans les 200, vous savez. Oui. Est-ce que vous vous rendiez compte de ce qui est arrivé aux autres autour non, de vous? Non, pas encore, parce que justement en ce moment-là, il fallait se dépêcher parce que il y avait du phosphore qui... C'est comme une larve qui s'incrustait partout. Et alors, mon père a pris ma sœur, qui était donc comme moi, et il a dit, je vais vous conduire en lieu sûr, et puis je viendrai chercher maman et les autres frères et sœurs. Et il nous a conduit donc après un bon bout de temps, puisqu'on ne trouvait pas de chemin, et on a grimpé des talus, des arbres, enfin. Et on est arrivé chez Monsieur Adam. Ensuite, là, mon père nous a laissé pendant un bout de temps pour aller rechercher le reste de sa famille.
C'était bien pénible parce que quand il est rentré, il a dû nous avouer que maman était décédée et mon frère et mes deux sœurs, ainsi que tout le reste de l'abri d'ailleurs. De situatie in de andere dorpen was nauwelijks beter. In Sterpigny, vlakbij Gouvy, woedde ook een felle strijd. Vers 2 uur, oui, 2 uur de l'après-midi, nous avions des grands chanceux, tout jeune dit, avec mon beau frère. Si on veut sauver le corps de logis, nous allons essayer de couper le toit entre l'étape et le corps de logis. Pendant les combats? Pendant le combat, en plein combat. Oui, parce que pendant qu'on le faisait, les chars allemands sont arrivés ici dans la cour par la pâture. Donc ils ont renversé, il y avait des portes en chêne, des grandes portes en chêne, ils ont renversé les portes et ils sont entrés carrément dans la cour. Les Américains au-dessus du village. Et alors, on est parvenu à sauver en venant chercher l'eau dans le bac ici. Avec des seaux, on venait chercher l'eau ici et on est parvenu à éteindre le feu. À sauver le corps de Roger. En pleine bataille, parce que nous étions derrière les tanks allemands, les chars allemands. On était derrière. En pleine bataille. Les Allemands nous regardaient comme ça. Ils nous demandaient comment il était possible. Ils se cachaient. Nous autres, on était en plein. On s'exposait. Et pas, je ne dirais pas 2 minutes après, le toit était troué par des obus. Pas 2 minutes après. Et cet obus avait fait un ravage formidable. Des chevaux renversés, tués. Oh là là, quelque chose. Et les Allemands ici étant, c'était vraiment une infirmerie. C'était un lazaret ici. Oui, sur ici, ben oui. Et il y avait beaucoup de mourants, ils étaient fort blessés. Bon, fort blessés, fort, il y en a qui pleurent. C'était des gémissements, des pleurs, on criait maman, ce petit-là, tout jeune de 17, 18, 19 ans, il nous avait-il dit avant. Alors, rien qui est accouru, là, comme ça, il est accouru, il ne savait plus où entrer, il s'est jeté dans les bras de maman. Hey, maman, lui, dit, tu sais ce que tu vas faire, dit-elle, ton fusil, tu le jettes, dit-elle, tu viens avec moi, je te cache derrière les vaches à l'étable, dit-elle. Ya, 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 dit-elle, il est parti avec elle, et un quart d'heure après, peut-être, je ne sais pas, moi, les Américains sont arrivés, maman prend un Américain par le bras, et disant qu'il y avait un jeune Allemand qui se rendait, alors il repasse avec lui à la cuisine, hein, et on dit merci, merci à maman, je vois encore, je la vois encore. Ah oui, c'était vraiment... terrible, ce petit-là, c'était tout jeune de 17-18. Oui, mais c'était corps à corps. Et ils se battaient dans la maison, chez oui, vous? Oui, dans la maison, ils sautaient d'une fenêtre à l'autre. Oui. C'était terrible. Moi, j'étais à l'entrée de la cave, la tête vraiment à l'entrée. On ramenait, c'était des Américains alors. Ils revenaient de l'autre maison à côté, de chez Denis, la Marcelle. Oui. On le rapportait, il était étendu là, son sang giglait partout, partout. Il criait « Maman, maman ». Il y a un autre Américain qui lui a allumé une cigarette, il a commencé à fumer et puis il est mort. Nous regardions ça vraiment comme si nous étions... Oui, c'était normal. C'était normal pour nous. Il n'y a plus rien qui nous effrayait. Et on croyait qu'on y allait passer, comme tout le monde, quoi. Oui, on attendait la mort, quoi. Ils amenaient leurs blessés dans la cave? Oh, la cuisine, la cave était en dessous. Ils transportaient de l'autre place, d'être corps à corps, et celui-ci était blessé au ventre. Et oh, je le vois encore, ceux-là, c'était le corps à corps. Ah oui, c'était terrible. Et on attendait comme ça.
Overal werd er verwoed gevochten. Het Duitse offensief liep vast. Het was een stellingoorlog geworden. Van tijd tot tijd verlieten de verdedigers hun mitrailleusnesten om zich in nabijgelegen kelders wat te warmen. Il y avait plusieurs maisons sur la rue et nous avons été dans les caves pour la protection et la protection du froid. Et on allait là au repos et quand on arrivait là, il y avait plusieurs, il y avait du monde dans ces maisons là. Et j'ai parlé à plusieurs et ils ont parti. Et je ne les ai plus jamais revus. Et je me suis souvent demandé pourquoi. Et pour moi, j'ai toujours cru qu'ils avaient peur que les Allemands, en tout cas que les Allemands, leur prenaient bastogne, qu'ils avaient été accusés de collaborer avec les Américains. Et les Allemands les auraient tués, certainement. Mais j'ai souvent pensé au papa de famille. Alors, responsabilité. Pas savoir quelle direction aller. Ça fait. Un soldat, on avait des armes, on pouvait se défendre, mais eux, j'avais rien. Quelle direction? Jusque je fallais au petit. C'est pas croyable. Il y avait des enfants dans les caves? Je me souviens de deux. Et j'ai pris la main de vue. Overal in de Ardennen zwierven groepen mensen over de besneeuwde velden. Ze werden door de strijd van dorp naar dorp gejaagd. Door hun radeloze vlucht werden ze verzwakt. Ze waren veel kwetsbaarder dan de dorpelingen die beschutting in een goede kelder gezocht hadden. In Bastogne zaten veel inwoners die niet geëvacueerd hadden kunnen worden. De enige arts die er nog was, was dokter Govaerts. Et jeune, la peur qui le faisait rester assis pendant des jours et des nuits au pensionnat, entre autres, bien faisait en sorte que les jambes gonflaient et doublaient de volume. Et même chez les jeunes, il y avait de grosses strictèmes, de gros décollements de la peau. Et chez les jeunes, ça je n'avais jamais vu. Il y a des vieillards qui n'ont pas résisté. Je suis allé voir les gens dans les caves, chez eux. J'ai soigné beaucoup d'enfants qui avaient des entérites, qui avaient des petites maladies pas tellement graves, mais enfin qu'il fallait soigner quand même pour que ça n'empire pas. Et vous aviez des médicaments? Et je n'avais pas de médicaments, mais comme il n'y avait plus de pharmacien, je suis allé chercher des médicaments dans les pharmacies. Et je me suis servi. Et je servais les malades, quoi. De Amerikanen hadden ook gebrek aan alles. Het ontbrak hen vooral aan medicijnen. De mensen van de Amerikaanse hulppost waren vlak voor de omsingeling gevangen genomen. Het internaat Notre-Dame werd toen een Rode Kruispost en het zat vol gewonden. Het was heel simpel. We anesthésiaient les blessés en leur donnant de l'alcool. En on les amputait même. On en avait plusieurs qu'on emportait à la salle d'opération qui était ici à côté, qui était une classe, qui était désaffectée. Avec vraiment les moyens du bord, et on leur donnait de l'alcool, et on les saoulait, et puis on les sortait ivres et amputés. Maar opeens, in de middag van 23 december, klaarde de lucht op. Eindelijk, in de belegerde stad gingen kreten van vreugde op.
sont précipités pour voir le parachutage là-bas. Ici dehors, il y a des bleus, des rouges, des verts. Alors quand on a vu ça, on s'est dit, c'est ça, cette fois-ci ça va. Et ils ont parachuté à plusieurs reprises? Nous sommes allés voir une fois seulement. Nous avons reçu des morceaux de parachute, des soldats qui rentraient. Les soldats qui étaient tombés en parachute, ils nous apportaient des morceaux ici. Nous avons fait des foulards avec ces parachutes. On voyait des dieux quand même parachutés. Il y avait beaucoup de parachutes qui tombaient. Oui, c'était magnifique. Oui, hein. Oui. Les Américains nous donnaient les morceaux de parachute pour nous servir de foulards, pour nous garder chaud. Oui, alors ils déchiraient les parachutes. Vraiment, ça nous aidait. On se précipitait. On les garde, vous savez. Et même le petit cordon. Oui, les blancs, donc ils nous disaient de parachuter les hommes, les rouges, c'était le parachutage des munitions, et les verts, le ravitaillement. C'était féerique, vraiment. On regardait sous un ciel bleu, vous voyez les gros avions qui arrivaient, plus un tour ici, au-dessus du parc, on dit, et au deuxième tour, les parachutes s'ouvraient, c'était féerique. Er kwam niet alleen bevoorrading uit de lucht. Nu konden ook de geallieerde bommenwerpers opstijgen en de knooppunten bombarderen waar de Duitsers hun kolonnes hadden samengebracht. De jagers bestookten de vijandelijke tanks en het geschut in de hele Ardennen. Paul Collignon steeg op in Everen. Le 24 au matin, je crois que c'était un dimanche, nous étions dans un hangar à Everen, où on allait donner la messe, et on est venu m'appeler me disant que le temps allait se dégager, il faisait déjà beau au-dessus des Ardennes, et que nous étions à la première escadrille à décoller. Et nous avons décollé effectivement le 24 décembre vers les 9h30, 10h du matin. Nous avons donc survolé toutes les Ardennes, la région de Stavelo, etc., Malmedy, etc. Et quelle était votre mission? Notre mission était donc de survoler le secteur pour empêcher toute manifestation de la chasse ennemie ou de l'aviation ennemie. Et alors nous avons commencé à attaquer les objectifs au sol. Pour ma part, moi j'ai attaqué une batterie d'artillerie et après un premier passage, comme je n'étais pas très satisfait de mon premier tir, je suis repassé et j'ai pu à ce moment-là faire une attaque convenable, mais malheureusement j'ai été touché. Et mon avion commençait à flamber. Heureusement j'avais beaucoup de vitesse, j'ai pu prendre un peu d'altitude et sauter en parachute. Seulement j'étais très bas et comme on tirait quand même à peu près dans tous les environs, je n'ai pas essayé de stabiliser ma descente, qui a d'ailleurs n'a duré que quelques secondes, et je suis arrivé brutalement au sol en me blessant et en me cassant entre autres sérieusement une jambe. Au moment où vous tombez, vous savez où vous êtes? Vous savez si non. Vous êtes dans la ligne ennemie ou amie? Il n'y a pas de ligne ennemie. C'est-à-dire qu'il y a des Allemands devant. D'ailleurs, j'ai été recueilli par une patrouille de deux soldats américains, aidé par une espèce de maquisard, chasseur ardennais, que j'ai appris par la suite. Et alors, j'ai demandé évidemment où étaient les lignes. On m'a dit, vous savez, on ne sait pas très bien, il y en a à droite, il y en a devant, il y en a derrière. Alle inwoners waren uit Monaville gevlucht, het dorp waar de Duitsers en Amerikanen hevig omstreden. Allen, behalve twee kleine jongens van 9 jaar. Eén van hen was Gaëtan Delicot, een kleine Brusselaar die door zijn ouders naar het platteland was gestuurd, ver van de V1's die op Brussel vielen. Hij was helemaal alleen met zijn vriendje in het dorp. Mijn compagnie, en hij était tué à côté de moi par un tireur d'élite à mon avis. Il s'est effondré. Bon, avait été tué sur place. Il avait une balle en plein front. Moi, je suis resté seul. J'ai été recueilli par une bonne dizaine d'Américains qui se terraient dans une maison. Ce que nous faisions, c'était vider littéralement les greniers des habitants qui avaient quitté le village pour trouver de la nourriture. Les Américains n'en avaient plus. Moi-même, j'ai tué, disons, au couteau américain, un petit cochon que nous avons rôti plus ou moins.
Les Allemands descendaient dans le village, les Américains n'avaient plus de munitions. Non, les Américains étaient terrés en fait dans les maisons. À un certain moment, on s'est même caché dans des tas de charbon. Et les Allemands passaient, observaient les maisons pour voir s'il y avait effectivement des habitants ou bien des soldats. S'ils l'envoyaient, ils tiraient, il n'y avait pas de problème. Tijdens een bombardement werd Cayetan weggeblazen door de ontploffingen en hij verloor zijn geheugen. J'ai perdu la mémoire juste après ma blessure. Je ne savais plus qui j'étais, où j'étais, etc. Et je suis resté pendant environ 3 semaines littéralement sans identité. Les Américains m'ont donné, enfin le régiment avec lequel j'étais, qui était le régiment des tank destroyers, m'a donné un nom d'adoption qui était Marcus Janvier. Janvier parce que c'est en janvier... C'était en janvier effectivement qu'ils m'ont adopté officiellement. Et alors vous les avez suivis, vous avez suivi ce régiment pendant l'offensive des Américains? Oui, je les ai suivis d'abord sur ce tableau Malmedy où j'ai vu effectivement les corps des suppliciés américains qui étaient en fait dégagés de la neige, étiquetés. Nous avons continué l'attaque très lentement sur Oufalise, on est descendu dans la cuvette d'Oufalise où là effectivement tout avait été détruit par bombardement, etc. Et puis nous avons continué sur le Luxembourg et l'Allemagne. Et vous avez fait toute la campagne avec l'unité américaine? Absolument, absolument. J'ai continué en faisant la traversée de la Moselle d'abord, et puis ensuite la traversée du Rhin. Nous avons pénétré très profondément en Allemagne, jusque littéralement dans la zone russe. Vous aviez 10-11 ans et vous avez combattu avec eux? Absolument, oui. Oui, j'ai combattu avec eux. Comme un soldat régulier, j'ai malheureusement dû tuer des Allemands moi-même. Disons que j'étais meilleur soldat, d'une certaine manière, que les soldats américains, étant donné que je ne me rendais pas compte du danger. Je suis devenu adulte très vite par les circonstances, et ce qui se passait autour de moi était une chose réelle. Bon, les Américains qui tombaient touchés à mort, les autres qui étaient blessés, je les ai ramassés comme un adulte. Bon, j'ai subi en fait, disons, les traumatismes comme un adulte. Vous êtes entré en Allemagne, en pays conquis, les Américains se comportaient comment? Disons qu'une partie des Américains s'est comportée excessivement bien, une autre partie, dépendant des endroits et ce qui s'était passé, se comportait très mal. Il y a eu des atrocités à un certain moment, il y a eu de très beaux gestes. Je me rappelle d'un geste notamment, c'est d'avoir ramassé un Allemand qui avait ramassé 2 balles de mitrailleuse dans la cuisse et nous l'avons transporté directement sur un hôpital de campagne. Par contre, j'ai également assisté à des scènes atroces où les civils étaient littéralement pris par, disons, certains groupements de soldats et les jeunes filles violées, par exemple. De soldaten met wie Cayetan als mascotte de hele veldtocht door Duitsland meemaakte, wilden hem adopteren. Hij was inmiddels Marcus Janvier geworden. Tijdens de procedure stelde Eisenhower een onderzoek in om nog eens na te gaan of het kind werkelijk een wees was. Wonder boven wonder vonden zijn ouders hem vlak voor de adoptie in Parijs terug, dankzij een tekening die in de Stars and Stripes, de Amerikaanse legerkrant, verschenen was. Het betekende voor Delico de terugkeer naar een normaal leven, maar met de rijpheid van een volwassene. Overal om Bastogne stonden de dorpen in brand. Het vee werd beschoten en de bevolking had zich verstopt. Meneer Maag vluchtte naar Chenogne, waar de Duitsers zaten. On disait là les Allemands qui arrivent. Je suis parti avec le voisin à Libramont. Mais seulement là, on n'entendait qu'au rien. On disait au poste, les Allemands ne sont pas dans le Bastogne. On dit, on va aller voir à Chenogne, puisqu'ils ne sont pas à Bastogne, ils ne sont pas à Chenogne. Et quand on est arrivé à 3 km d'ici, on a rencontré les premiers Allemands. On avait voulu faire demi-tour, mais il n'y a pas eu moyen, il a fallu continuer. Et c'est alors qu'on est arrivé ici que c'était la bataille. Là. Mais ils étaient presque corps à corps avec les fusils, alors ça a été dur. Oui. Et puis entre deux feux, américains, allemands, toutes les 2 heures, ça changeait
Et au village, c'était les Allemands. Seulement ici, ça a changé. Américains, Allemands revenaient de Chenogne, Américains venaient de l'autre côté, et c'était pour 2 heures, et puis c'était de nouveau les autres. Et les balles sifflaient autour de vous tout le temps? Ah oui. On n'a qu'à bien voir dans les sapins ici à côté, mais il fallait rentrer tout de suite. Il y a des enfants qui sont morts ici, pas loin? Ah oui, ici, un peu plus loin. Là, sur... Ici, à 300 mètres d'ici. Juste là, sur la butte. C'était un ménage du village qui se sauvait pour aller à Oumont, la ferme était en feu. Alors, ils ont voulu passer avec un drapeau blanc. Seulement, sans doute, que c'est les Américains qui étaient ici plus loin qui se sont trompés. Le papa est revenu ici, il nous a dit qu'il était blessé. Il avait eu un éclat qui avait perforé le bras. Alors, il a dit que toute sa famille était tuée, sa belle-mère, 2 gens d'Islaès, une du Grand-Duché, et que son, le plus jeune de ses enfants, il avait le pied coupé. Et ils étaient là au milieu du champ. Il ne savait pas le reporter. Alors, on a essayé d'y aller, seulement les Allemands qui étaient ici à côté nous défendaient d'y aller. Et ils avaient dit, on ira au soir. Seulement au soir, les Allemands disent, il n'y a pas moyen d'y aller. Et ils ont gelé. Ils étaient tués, mais seulement il y en a le plus jeune, s'est traîné contre les autres, et quand on y a été 3 jours après, ils étaient gelés tous ensemble. Quel âge ils avaient? Oh. Quel âge? 12 ans, 8 ans et 10 ans. Oui, 10, 9 et 6 ou 7 ans. On ne pouvait pas y aller. Malgré tout, il fallait le tenir parce qu'il y aurait été, lui. Il aurait essayé. À tout hasard de se faire tuer, c'était quand même le sien. Il savait qu'ils étaient encore en vie, là? Ah ben, le plus jeune, comme il avait le pied coupé. Il disait, il vit encore. Comme tout le monde aurait pu faire, ma foi. Les autres, ils savaient bien qu'ils étaient tués. Mais c'était son fils. C'est 8 jours après qu'on a été les chercher avec des cercueils en planches, moi, qu'on avait fait, que le menuisier faisait comme ça provisoirement. Les bêtes s'attaquaient aux cadavres le long des routes. Il y avait une personne qui était tuée ici dans le carrefour, ici, au village. Elle a été toute détruite par les bêtes, enfin. Les chiens, surtout. Oui. Oui, il y avait ici près de l'école. Il y a un tournant là, que c'est les camions et les chars qui passaient. Il restait juste les boutons et la veste. On voyait qu'on de l'étoffe, mais les boutons, ça marquait encore. Mais il n'y avait plus rien. Tout était broyé. C'était parti puisque... Parfois un bras par-ci, une jambe par-là. Hmm? On a vu ça aussi. Le jour que les Américains ont attaqué pour du bon alors, ils arrivaient la route de Neuchâtel. Alors, ils ont passé ici à côté, ils ont passé par les petits chemins, mais le jour qu'ils ont arrivé pour du bon, alors, ça, à partir de 4 heures du matin, on les entendait sur la neige qui était gelée, boum, boum, les bottes, et les Américains qui descendaient ici à côté. Et au matin, c'était les chars en face, avec le feu de phosphore devant. Et les hommes... Oui, tout feu. Et les chars suivaient, et les hommes entre chaque char. Alors, ça a été le dernier jour qu'on a eu des Allemands. Ça a été percé. Dès le début de l'offensive, l'armée du général Patton, qui s'apprête à attaquer en Sarre, fait mouvement vers l'Ardenne. C'est un véritable exploit. La 3e armée américaine fait un quart de tour sur sa gauche, et ce, en un temps record. Maintenant, ils foncent vers Bastogne. Mais les conditions atmosphériques sont épouvantables. Patton fait alors distribuer à ses hommes une prière prévue pour son attaque dans la Sarre et qui demande l'arrêt des pluies torrentielles. Son aumônier lui fait remarquer qu'en Ardenne, il ne pleut pas, il neige. Réponse de Patton: cela ne fait rien. Dieu fera bien la différence. Of God het regelde of niet, de tanksoldaten van Patton namen geen enkel risico.
Ze verfden hun tanks wit voordat ze naar het noorden aanvielen om Bastogne te ontzetten. De 4e tankdivisie baande zich een weg en ontmoette hardnekkige tegenstand. Op 26 december probeerde de vooruitgeschoven post een doorbraak te forceren in de omgeving van Cibray-Assenois. Na een harde strijd bereikten de tanks uiteindelijk de eerste linies van de Amerikaanse parachutisten. Het is dan 4:15 in de namiddag. We've made contact. The first contact was an infantry outpost. And of course, as soon as we made contact, why, and we pushed right on in, you know. And it's your unit which broke through the siege? The 35th, yeah. You met the one under the 1st Airborne in their foxholes? They were in foxholes, they were dug in, and they didn't know who we were, and we didn't know who they were until after we got to talking, you know, and we knew we were had broken through to them, you know. The fighting around Bastogne afterwards was very hard, very fierce? Yes. It could flare up anywhere, you know, it was a sporadic thing. And you had pockets of resistance all scattered all over the place, you know, and it was very difficult to get them out of some places, you know. De infanterie volgde vlak achter de tanks van Patton om de tegenstand van de Duitse belegeraars te doorbreken. Oh, in avant de Nif. On pied de Nif quand on dans autre, on pied, c'est en tout le sauer. Ils ont fru? Oui, c'est zut bad zo zero. Inderdaad, er bevonden zich ook Walen onder de mannen van Patton. Hansel Lardinois woont nu in Wisconsin in Green Bay aan het meer. In het midden van de vorige eeuw hebben zijn grootouders, die landbouwers waren, met een handjevol mensen uit Namen het dorp Champignon gesticht. In december 1944 maakte Hansel zich klaar om Bastogne te bevrijden. On a commencé à 5 heures, on a sorti ce pied et on a commencé à boucher. On a sacré boucher dans cette. Avant le village, il y a l'année Farlon. Et j'avais eu le village, c'est un camarade. Je me vais ici, l'année en civil, par là, dans le village. J'ai dit, c'est ça que va te bêquer. Je n'aime pas hier. J'avais le style, j'ai trouvé un Saint-Cyr, un âge 40-45 ans. Et un jeune fille de 19 ans. Je les ai achetés par une volée. Alors, l'homme m'a demandé à Dal Faye qu'elle me demandera ce que je voulais. Mais je ne sais ni comment est-ce qu'elle allait faire ce coup, parce qu'elle ne connaissait ni l'anglais. Et je lui ai répondu, je ne veux rien. Et il m'a raouetti, il m'a raouetti, il m'a raouetti encore, et il m'a raouetti une langue. Et puis, je carque le bain. Ça fait l'histoire à approcher et tout ça, à grocher. Et je lui ai dit que. Mijn grandmeer en mijn grandparent, dus hadden niet de Belgiek. Maar je zou niet de Jutsch. Had ook mijn grandmeer van de Rionazot, of dat de routine de Wallon passen. Kom zo. En je vous ont demandé des couvertes d'abord? Sur mij. Je hebt een peu de couverte, dat is de vier, vier fouillon. On avait dans les trucs, on avait logi, on avait chassé les Allemands or. Et les couvertes à tout l'emmerie, nous autres, on a mouché à trois couvertes à tout, elle l'a l'icône l'emmerie. Ça fait que je lui ai dit que je n'en ai pas trop sur le voie. Qui verra vous tirer et le ramasser. C'est tout ce que tu sais. Vous n'avez ni un lieu de temps pour José plus longtemps là-bas? Non, ni de masse de temps, non. Et il avait déjà de ça en avance, quand il traversait le verre d'une journée, et il fallait de la munition. Et tout ça, et on s'est dit à 25-30, et les bois, fif noir. Et on s'y a parti tout ce qu'on appelait parce qu'on a volé nos carabines en route pour tout partir de peu. Et il y a eu des Allemands dans le bois. Oui, les Boches. Et on pétrole de là d'Allemagne, on s'est rencontré et on s'est planté comme on peut. Donc, nous sommes dans une zone hiver, ici, il y avait une peu à ça, il n'y avait personne qui a rien d'eux.
Et l'an passé, on a laissé le veau et nous autres, on a continué après. Alors. On se tenait main à main pour en aller. Comme ça, on se cœur défini. Et c'est ça des montagnes pour faire des grands tiennes, là, tout ça. On avait comme des carrures, des CV là. Deuxième jour qu'on revenait, on avait eu qu'on allait le tirer sur une carrière comme ça, oui. C'est le premier, il va, on suit au retour parce qu'on se tenait pas mal. Quand on est rentré, le côté de l'hiver, au matin, il y en avait deux Allemands qui étaient nous noyés à vous, nous autres. Sinon, comment ça arrivait, mais... De Duitsers deden een tegenaanval om de bres te dichten, maar het was te laat. En een stroom van Amerikaanse tanks wist de belegerde stad te bevrijden. In een van de eerste voertuigen van de 4e tankdivisie van Patton zat generaal Taylor, commandant van de 101e luchtlandingsdivisie. Hij ging naar de Amerikaanse verdedigers om ze te feliciteren. Die Amerikaanse overwinning was voor de andere kant van de oceaan en de hele wereld een enorm succes. Bastogne werd het symbool van de taaie tegenstand van de Amerikanen in de Ardennen. Een symbool dat het belang van de andere veldslagen een beetje op de achtergrond drong. De historicus van het Amerikaanse leger, Charles MacDonald. Mais oui, il était très important, mais il n'est pas la place la plus importante de tout. Mais on a eu à Bastogne une bataille très dramatique. On a là les forces encerclées, les forces élites, les parachutistes, et tout le monde attend l'avance des forces pour faire le secours pour le Bastogne. Il était un peu comme les colons dans le Far West. Ils sont encerclés par les Indiens et la cavalerie avance. Mais on doit regarder les autres places. Par exemple, Saint-Vite. Il y a beaucoup de routes que les Américains ont empêché des Allemands d'utiliser pour 6 ou 8 jours peut-être. Mais après ça, il y a une place la plus importante de tout. Il était au nord, dans le nord, au charnier du nord de l'offensive. Il y a là deux divisions américaines et une partie de notre qui sont arrêtées, la 6e armée blindée tout entière. Et cette armée était l'effort principal des Allemands, le Schwerpunkt, comme les Allemands disent. Et ils sont arrêtés, les Allemands, dans une place... qui les Américains sont nommés Elsinbourne Ridge, c'est-à-dire la crête d'Elsinbourne. Et quand on arrête l'effort principal d'une armée, la Schwerpunkt, les chances de succès sont très maigres. Met het einde van het beleg van Bastogne begon in het noorden en zuiden het geallieerde tegenoffensief om het gat dat de Duitsers geslagen hadden weer te dichten. Het zou een lange en bloedige strijd worden. De Amerikanen maakten vele gevangenen. Hitler had begrepen dat zijn laatste offensief mislukt was. Hij gaf zijn troepen bevel zich terug te trekken. De Duitsers voerden het bevel uit terwijl ze verwoed aan het vechten bleven. Het duurde nog de hele maand januari voordat de Duitsers op een uitgangspunt teruggedrongen waren. Villers-la-Bonneau, een prachtig dorpje te midden van de bossen ten zuidoosten van Bastogne.
Op de paar huizen die het dorp telde, werden in januari 1945 6500 projectielen afgevuurd. Het dorp had al ettelijke doden en gewonden te betreuren toen de Duitsers besloten hadden alle inwoners bij een terugtocht als gijzelaars mee te nemen. J'étais trois. On était un groupe de 30. Alors ils nous ont fait marcher avec un drapeau blanc en tête. C'était une vieille dame, c'était Marie-Francis. Qui marchait en tête avec le drapeau blanc. Il y avait un Allemand en tête, un au milieu, un à la fin. Armé. Armé. Et il fallait partir, il n'y avait rien à faire. Alors, décrivez un peu ce groupe. Le groupe, il se composait de gens âgés et de très jeunes. Tous les autres étaient partis, ils étaient absents. Beaucoup de blessés dans le groupe? Il y avait maman, il y avait papa qui était blessé, il y avait ma soeur, il y avait Julie Nézer, il y avait Alphonse Francis. Mais c'était tous les blessés qu'il y avait. Et ton frère? Et mon frère, oui, mon petit frère. Alors il y avait des gens plus âgés, il y avait une dame ici du village qui n'avait qu'une jambe, donc il marchait avec des béquilles, qui faisait partie du groupe. Et comment tous ces blessés avançaient? Comment ils avançaient lentement parce qu'on a mis beaucoup de temps pour faire le trajet qu'on a fait. On a mis 2 jours pour faire, je sais pas moi, 30 kilomètres. 2 grosses journées. Et le groupe était très étiré. Et le groupe, oui, s'étire assez fort parce que les blessés étaient toujours à l'arrière et ils avaient du mal de suivre. Les Allemands, comment se comportaient-ils? Ils étaient agressifs? Oui, ils n'avaient aucune pitié. C'était des gens, je sais pas, c'était des gens sans pitié. Surtout un. C'était un grand groupe. Et ils n'avaient aucune pitié, cet homme-là. Ma soeur avait le poumon fait perforé. Et alors, maman avait son bras. Alors papa, sa mâchoire cassée, son écran était entré par l'oreille, sorti par la bouche. Et puis un petit frère aussi. Mon petit frère qui a le bras, oui. Qui avait une partie de sa viande partie, le bras. Alors oui. Comment fait-on pour marcher comme ça? C'est une espèce de marche forcée. Pour marcher, ben, ma soeur me tenait le bras autour du cou et moi je la soutenais par la taille. Maman marchait derrière avec papa et mon petit frère. Tous les trois derrière moi. Et quelles étaient les conditions climatiques à ce moment-là? Quel temps il faisait? Ben, il y avait de la neige, hein. il ne faisait pas bon. On avait difficile de marcher. Mais à ce moment-là, il y avait de la neige. Et quand vous n'en pouviez plus, vous arrêtiez? Les Allemands vous autorisaient? Non, surtout pas. Non, on devait continuer à marcher, sinon ils étaient avec leur mitrailleuse derrière nous. Hein. On faisait un effort, on marchait quand même. Et vous aviez des vêtements chauds? Non, justement, on n'avait pas grand-chose. Non. On n'avait presque rien. On était avec un tablier ou une simple robe et des bras dessouillés. C'était tout. Hein. On n'a rien d'autre. À quoi on pense quand on avance comme ça, en ne sachant pas très bien où on va? On ne pense pas à grand-chose. On ne pensait plus. On ne pensait à rien. On partait. Vraiment pas où on allait. Il fallait partir, il fallait marcher, on pouvait pas s'arrêter, rien, il fallait partir. Quand on est tombé au premier village du Grand-Duché, ici, à Tarchan, là on est retombé dans une pluie d'obus et de torpilles, tout ça, il faisait aussi clair que le jour, et pourtant c'était bien le soir. Et là, il y a un Allemand qui s'est fait tuer. Qui est tombé sur la sœur de ma femme. Et on est rentré dans un genre de laiterie, une écurie, on s'est casé comme ça, il n'y avait pas de paille, il n'y avait rien, on a dormi dans les courants d'air. On est passé la nuit là. Jusqu'au matin, on a dû repartir tout le matin.
On n'a pas eu le temps de faire rien du tout pour manger. On n'avait rien, c'est pas la question. Le peu qu'on avait, on n'a même pas su faire un déjeuner. Et les blessés, est-ce qu'ils perdaient du sang? Est-ce qu'ils ne s'épuisaient pas? C'est-à-dire que non, c'était déjà quand même quelques jours qu'ils étaient blessés. Hein. C'était déjà depuis le 27 décembre, donc la chair était toute noire. Le pus commençait déjà. La gangrène. Et non, ce qu'on voyait, c'était pas beau à voir. C'était noir, la chair brûlée avec les éclats. Arrivé à la chlève, là on avait tombé sur un deux, là c'était pire. Là on avait eu le deuxième Allemand tué qui nous accompagnait. Là on était resté certainement une heure couché le long de la route, le long d'un muret. Et puis on est reparti. Et quand nous sommes arrivés à Derenbach, à peu près 3 km plus loin, le soir, on est toujours retombé dans un bombardement. Et là, le troisième Allemand s'est fait tuer. Et à ce moment-là, ben, on était libre. Quand il n'y avait plus personne, et on s'est casé dans un jeu de qui, dans un bowling. On se croyait au paradis. Et il y avait juste un toit de tôle au-dessus de nous et des fenêtres tout autour, donc on n'était pas à l'abri, mais on était bien. Il y avait de la paille. On est resté là, je ne sais pas moi, bon, une dizaine de jours, sûrement. Un beau jour, le bowling s'est effondré. On a eu Alphonse Francis qui s'était fait renfermer en dessous des décampes. Et on a pas dû partir. On a dû redescendre vers Wenpak. Alors on est resté au Wenpak. Seulement, maman, elle, on l'avait. Elle est morte sur place là-bas? Non, on l'avait conduit chez un docteur allemand à Bragenbach. À un village à peu près 2 km plus loin. On l'avait conduit dans une petite charrette. Elle est morte là. Donc on n'a même pas vu mourir. Quand vous êtes revenu au village ici, qu'est-ce que vous avez retrouvé? Nous autres, on n'a retrouvé personne. On était nous trois gosses. On avait peut-être parents. Tout était détruit? Tout était détruit. En tout, votre famille a perdu combien de personnes? On a perdu 27 membres de la famille.